Bonjour à tous, c'est Tactica Chromain, je suis extrêmement fier et très content surtout de vous proposer ce 41e Let's Play sur Final Fantasy Tactics Advance 1. Je suis en compagnie de Ghetto Superclass qui suit mes aventures et évidemment ça me fait super plaisir. Coucou à toi Ghetto, coucou à toi. Ça me fait évidemment super plaisir parce que mon vœu s'est réalisé, mon souhait s'est réalisé, voilà, enfin ça plaît à quelqu'un et j'ai bien fait de m'accrocher, de pas laisser tomber. Comme quoi dans la vie, hein. Bref. Au let's play précédent. Au let's play précédent, on a cassé du dragon. Et surtout, on a fait un gangbang sur un pauvre spadassin qui a rien demandé à personne et qui s'est fait défraquer, qui s'est fait dépouiller et il s'est fait défoncer, quoi. Il est reparti chez lui à poil, quoi. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Il fallait pas chercher la... Hein, voilà. Oui, peut-être, oui, mais bon, les japonais, le problème, c'est qu'ils vont, ils vont regarder des let's play en japonais, peut-être pas en français, donc ça, voilà. Tu prends le 40e en lien avec du racket, ouais. Voilà, c'est même plus du racket, là, c'était du... Enfin, bref, je trouverais bien une idée de nom, hein. Donc là, c'est reparti, alors. Mage Hydre et Sable Dormant, on rappelle la loi... Parce que la loi, ça fait la loi hein, dans Ivalice, hein, on peut pas faire ce qu'on veut. Et on n'a pas le droit, par exemple, de booster, ni d'utiliser les âmes, mais ça, pff, on s'en fout. Et pas de groupe ciblé, donc pas de divinité, ni de magie illusionniste, etc., etc. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. Allez, c'est parti. Oh putain, il y a du monde là. Ouh là 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 là. Il y a du monde là. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Déjà, on va vérifier un peu leur level, là. Oui, sourire pour le booster, très très bonne idée. Ok. 21, 20, 20. C'est le boss, lui? D'accord. Et 22, d'accord. Je le sens mal. Je le sens mal. Je le sens mal. Mais bon, on va essayer. Hein, mais je le sens pas là. Vraiment, je le sens pas. Alors, on va la jouer prudence. Ça m'intrigue là, ce que tu me dis là. Gage pour booster. Non, c'est vraiment pour la capacité booster. Quoi. Je n'ai pas le droit d'utiliser ce sort. Quoi. C'est vraiment, c'est voilà, c'est exprès pour me faire chier. Quoi. Ok. Dater, tu vas venir avec nous. Là, il me faut une ligne devant, là. Hein, parce que ça va chercher des crosses, là. Ça, on va prendre. Gelato, je le prendrai si... Tactical Advance, c'est un peu spécial, des fois. Madeline... Non, je préfère prendre quelqu'un derrière... qui va nous soigner, il nous faut du mage aussi, hein, voilà, hop, donc, 1, 2, 3, au lieu de prendre Théodoric, de toute façon, il peut pas booster, c'est dommage, on va prendre plutôt, Dater, il est là, quoique, on a du heal, en fait, hein. je me prends trop la tête, Théodoric, on va le faire encourager, et on va l'envoyer dans le tas, comme ça, c'est réglé, allez, c'est parti, qui ose troubler mon repos. Ah putain, j'ai pas pris sourire, mais... J'ai fait le caramel. Tu me l'as dit en plus, hein, mais j'ai fait le caramel. Allez, c'est dommage. Moi, j'étais tellement dans mon truc, je veux du heal, je veux des mecs qui me soignent, que j'en ai complètement oublié. Putain, c'est fou, vraiment c'est dommage. Allez. On va commencer par un petit premier soin. C'est parti.
va être là, il est bien là. Théodoric, toi tu viens là et tu nous fais encourager. Hop. Ça c'est bon. Je pense que j'aurais pas la portée pour Cyanure. Hein. Voilà. Saigner, est-ce que ça va un peu plus loin? Ouais. Je préférerais quand même faire Cyanure. Au moins, on a une chance de l'empoisonner. On la prend. Hein. Allez. Putain, trop de bol, quoi. On prend. Nickel, ça. Quelle chance. Oui. Oui, du bol, oui. Glacier. Allez, on me gèle tout ça, là. Allez, tu me les gèles, là. C'est presque indécent, ouais. Voilà. Parfait, ça. Épée noble, je peux, hein. Ça, j'ai le droit. Hein. Voilà. De toute façon, Dater, il a vigilance, hein, donc ils peuvent m'attaquer au corps à corps quand ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, vas-y, fais ça, attaque-moi, toi. Attaque-moi, toi, t'as raison, vas-y. Fais-moi ça, toi. Dommage. Les musiques sont pas mal, c'est vrai. Les musiques sont pas mal. C'est pas mon OST préféré. Mais ça reste sympa, c'est vrai. Il y en a qui sont incroyables, c'est vrai. Mais tu vois, Tactical Advance 2, les meilleures, les musiques, elles sont un cran au-dessus, je trouve. Pas énormément plus, mais un cran au-dessus. Celui sur PlayStation... Ouais, non, mais celui sur PlayStation, là. C'est pour ça, je pense, que les Tactics Advance n'ont pas si bien marché que ça, parce que... Les mecs, ils ont pas compris, en fait. Parce que quand tu joues à... Je pense, hein, c'est une... Hein, c'est pas une théorie, mais c'est une réflexion que je me suis faite. Je pense qu'en fait... quand ils ont joué à Tactics sur PlayStation et qu'ils ont vu l'ampleur de l'histoire, le gameplay, tout ça, et qu'après ils sont tombés sur Tactical Advance avec son histoire, bon, qui est cool quand même, mais qui est un cran en dessous, ils ont pas dû comprendre, en fait. Je pense qu'ils ont pas du tout comprendre. Allez, on va garder la ligne, là. Ça, parce que lorsque la contre-attaque, là, ça va me gaver, ça. Lui, il va commencer son tour, il va crever, il va manger le poison, il va mourir. Donc on s'en branle. Lui, par contre... 60... 80. Mais par contre, on va prendre la contre-attaque derrière, donc attention. Attention, est-ce qu'il vaudrait pas mieux plutôt faire ça là? Est-ce que ça serait pas plus mal de faire ça? Ouais, déjà on fait plus mal, au moins on prend pas la contre-attaque, mais on a moins de chances de s'en prendre une. Hein, on prend. Oui, c'est vrai, je peux combo, tu as raison. Voilà. Vous voyez que c'est trop bien de pas jouer seul dans son coin. Tu vois, ça, c'est, rien que pour ça, c'est énorme quoi. Voilà, j'ai... Ouais, bref. Ouh là là. Allez, t'essayes, mec. Il faut que t'essayes, Théodoric, là. Essaye. Bien. Merci, mec. On a vraiment du bol, hein, sur les jets. Ça fait plaisir. Pour changer. Pour changer, on a du bol, quoi. Fais pas genre tu hésites avant de ta... Ouais, mais... C'est la mise en scène, mec.
Ah, je te l'ai pas dit, mais en fait, tout est calculé à l'avance. Genre là, je vais en rater deux, mais je vais en réussir un, tu vas voir. Regarde ça. Regarde ça. Toucher, toucher et toucher. C'est énorme, hein? T'as vu ça? T'as vu ça? Énorme. Propre. Alors, c'est vraiment propre, hein. Mais attention quand même, parce que des fois on a des fois t'as du bol sur ça, et des fois t'as pas de bol sur d'autres trucs. Ça se d'un certain côté ça se rééquilibre. Pff, voilà, allez, terminé. Terminé. Mula, c'est Mula qui va jouer après. Je sais pas trop ce que je viens pouvoir lui faire faire. C'est Mula, il me semble, hein, qui va jouer après. Dater. Oui, mais si je le fais exprès, ça marchera pas, en fait. C'est ça le truc. Si je fais exprès de forcer la chance, ça marchera pas. C'est tout. J'aurais dû soigner Clément, j'ai fait de la merde. J'aurais gagné beaucoup plus d'XP. Ok, allez. Bon, finalement, ça se passe pas si mal que ça. Enfin, pas si mal que ça se passe très bien même. Je pensais que ça me faisait peur là, ça, mais finalement, c'est pas si. Putain, c'est extrêmement chiant. Ton fils permet que ça serait un peu comme si tu faisais pas exprès. Ouais. Bien vu. Bien vu. Il est malin ce Geto. Super classe, il est malin. Allez, ramène-toi. Lui va me faire un gros souffle éclair là. Ça va me refroidir là. Le fils de sa maman, quoi. Raté. Allez. T'essaieras tout à l'heure. Il résiste, hein, le salaud. Ah, mais je crois qu'il s'est fait Draco Force, je crois. Hein. Il me semble. Hein. Ça n'a boost que ses dégâts, d'accord. Allez, un combo. Montrez-nous ça, les gars. C'est vraiment, vraiment badass, hein. Overkill. Ouais, mais c'est la classe. Ça sert à ça. Si, 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 il est mort, t'inquiète. Ma force me quitte. Et ouais mec, tu peux rien faire, c'est comme ça. Parfait ça. Vraiment c'est propre. Et en plus on a eu du bol sur les jets, donc franchement ça fait plaisir. Et on a terminé avec la classe en plus. La lance de Kane, voilà. De Kane, pardon. Non, ça m'intéresse pas ça. Efficace. Énorme. Tiffon, elle fait plaisir. Combo archer. Allez, ça, c'est dans la poche. Non, on n'a pas besoin de ça. Ok. Alors, Tiffon, elle va prendre Cupidon. C'est ça. Voilà. Alors. Elle apprend ça après. Après, il faut qu'elle prenne deux niveaux d'éléments. Deux compétences d'élémentaliste ou une, je sais plus, pour assassin. Voilà. D'abord, faut qu'elle passe Brother. Ensuite, elle va passer Mage Blanc pour apprendre une connerie là. Soin ou un truc du genre. Qu'elle peut apprendre en Mage Rouge aussi. Hein. Hop. Ensuite, elle passe élémentaliste. Après, on la fait passer fantassin. Et après, elle passera assassin. Comme ça, au moins, on en aura une. Parce que les fantassins, quand même, c'est. Hein, faut y penser. Faut y penser. Parce que c'est quand même une excellente unité.
Bah c'est parti hein, pour la quête principale. Il manquait une quête je crois. Hein. Mais on la refera en descendant. Hein. On n'est pas. J'ai envie de la faire. Tant que je suis là et que les lois sont pas trop mauvaises. Voilà, je vais quand même lancer. J'aurais dû sauvegarder, j'ai fait de la merde. Décidément, je vais trop vite. Hein. Ça sent le. Ouais, moi non plus j'aime pas ça. T'es. Il est là lui. Infanta. Plus deux éléments. Ouais putain, j'aurais cru l'inverse. D'accord. T'as pas à me dire ce que je dois faire, mec. T'es qui toi? Tu n'es pas un chasseur de primes. Non, pas exactement, non. Pas exactement ça. Rien que ça, quoi. D'accord. J'aurais dû sauvegarder. Je suis tenté de faire une safe state. Qu'est-ce que tu en penses? Ça sera pas, si je fais une safe state, ça sera pas authentique. Non, non, je vais rester droit dans mes bottes. Rengaine ton épée, Lidnar. D'accord. D'accord. C'est lui qui crée les failles, c'est quoi ce délire là? Pardon? Oui, il y a des trucs à voler ici, ouais. Oui, en effet. En effet, il y a des trucs à voler, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a. Il a pas de. Par contre, il m'a l'air puissant. Il m'a l'air franchement puissant. Ouais, on va checker ce qu'ils ont un petit peu sur eux. Ouais, non, lui ça va encore. Ouais, non, il n'y a rien de... Le plastron dragon, à la limite, mais... l'autre, il a vraiment des trucs alléchants, quoi. Vraiment... C'est dommage qu'on puisse pas check les... Même la Save the Queen, ça sur les paladins, c'est... Ouais. Le casque diamant, je l'ai déjà. Hein. Donc, mais son casque Vanga, ça m'intéresse. Ses Caligula, ça m'intéresse aussi. La Maximilien, ça m'intéresse aussi. Tu vois, tout, c'est... La Save the Queen, je pourrais pas la voler. Hein. Je l'ai pas, Volarm. Mais... Après, ça dépend comment il tape aussi. Hein. Si c'est une brute, on mettra fin au combat. Si je peux pas... tu peux pas voler les bottes. Mais bien sûr que si, je peux voler les bottes, mec. Si tu fais vol accessoire et hop, c'est dans la poche. Hein. Alors... Je peux aligner 6 gajos, hein, donc ça c'est cool. Alors. Kif, tu viens avec nous. Hardy, tu viens avec nous. Comme ça, tu vas nous faire des jolis sourires. Et tu vas t'emparer de tout ça. Alors, Stanz. Alors, Booster, on va essayer de la faire sauter, cette loi. Hein. Non, c'est un fou, toi. Booster, on va essayer de la faire sauter. Hein, parce que ça va nous être trop utile. Hein. Ça va nous être beaucoup trop utile. Et en parlant de ça... Il nous manque un gajo là. Il nous manque...
Allez, Rosetta, tu viens avec nous. Le lancier. En fait, si tu veux, j'ai peur d'un truc. C'est qu'il fasse vraiment, mais vraiment très mal. Donc le problème, c'est que s'il me tue, par exemple Dater, il faut que j'ai des mecs qui soient capables de me réanimer. Tu comprends ce que je veux dire? Après, le problème, c'est que Booster, je pourrais pas la faire sauter cette loi, parce que j'ai pas la carte quoi. Ça me fait chier ça. Donc à la limite mon blanc. Ça me fait chier ça. Je le sais, hein, que la carte, je l'ai pas. Ça me revient là. On va pas prendre Mula, on va prendre plutôt Dater, au cas où. Au cas où, parce que ce qu'il a sur lui, vraiment, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse. On va attendre qu'il s'approche, hein. J'ai pas fait gaffe à sa vitesse, mais elles vont me casser les couilles aussi, hein. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Elle fait rien, ça va. Ouais, je sais qu'elles sont reloues, elles sont dangereuses surtout, parce qu'elles ont des sorts un peu. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'écarter, parce que si jamais il a des dégâts de zone, j'aimerais bien écarter un peu le jeu, quoi. Hop. Et ça marche. Oui, c'est parce que c'est pas la compétence booster. Tu vois? C'est pas le sort booster. Allez. Curieux ce mec-là, mais il perd rien pour attendre. Hein. Déjà, est-ce qu'on peut pas le... Pourquoi je peux pas... Qu'est-ce que c'est que ce délire là? C'est quoi cette map de merde là? Il est bidon cette map. Allez, Clem c'est un ninja, on va essayer de les face les autres là. Allez, rapproche-toi, c'est ça. Aïe. Là, tu lui accordes un J pour... D'accord. Je comprends rien au scénario. Alors ça, c'est pas grave, les amis. Je vais vous montrer pourquoi. Bah, c'est pas vraiment un trait, c'est un juge, quoi. Donc, il fait son taf. Hein. Unicorn. Et voilà, c'est reparti. Merci pour le JP, Jean-Pierre. Là, on va toujours... écarter le jeu. On sait pas, je sais pas trop encore à quoi m'attendre. Hein, donc, un petit blindage, tiens. J'ai le droit, monsieur l'arbitre. Un petit blindage. Merci pour le JP, Jean-Pascal. Il est bien là. Il est bien d'ailleurs. On va pas le. On va le faire un petit heal sur Clem. Histoire qu'il prenne un peu d'XP.
Il va le booster, hein. Ah ben non, il peut pas, c'est vrai, il y a la loi. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça me fait chier, ça, par contre. C'est pas gravissime, mais ça me fait chier. Voilà, la Fela, elle est gentille, hein. Alors, on commence par quoi? On commence par l'armure. Mais une chance d'échouer. Allez. Allez, tu lui prends, il est devant toi, là. Voilà, ça c'est pour moi, ça. Merci. Ouais, là. Allez. Voilà, allez, rentre chez ta mère. Voilà, terminé, il n'y en a plus. Au suivant. Il est dangereux, lui, hein. Rip Cycle. D'accord. Aïe. Oh, le coquin! C'est quoi qui le... C'est quoi ce délire? Pourquoi il a... Probablement, ouais. Probablement. C'est peut-être ça, ouais. Il y a un truc que je comprends pas, là. C'est peut-être pour ça qu'il nous disait qu'on avait aucune chance. Bah, déjà, il a pas l'air de prendre des éléments, hein. Donc, mais à force de lui voler des trucs, peut-être que. Il y a forcément quelque chose qui lui donne une résistance, hein, ça c'est sûr. Hein. À moins que ça soit la classe elle-même, hein, parce que ça pourrait être du genre. Il faut que je vérifie ça. Hein. Fais voir. D'accord. T'avais quoi ça? Zut. Oh, j'y arrivais quoi. Voilà. Augmente sacré, donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Donc c'est vraiment c'est lui quoi. C'est lui qui y a un truc qui le protège. Bon, en attendant, il a pris cher quand même. Hein. Ouais, on est bon. Normalement c'est bon. Ouais, il y a un truc qui le protège. Je sais pas quoi, mais.
Heureusement qu'on lui a volé quelque chose avant de partir, quand même. Hein. J'suis trop deg. Bon, mission accomplie. Ouais, voilà, c'est déjà ça. C'est terminé, ouais, voilà. Bah non, on va peut-être péter les cristaux, non, tant qu'on est là. Ouais, il va pas se laisser faire le cristal. Voilà. Excellente question. Excellente question. C'est vrai que Clément, il a, enfin, Marsh, il a pas vraiment de enfin, si, il a des raisons de revenir chez lui, mais ça, enfin, c'est difficile à expliquer, hein. Je sais plus, hein, ce qui se passe en post-game, donc. Je ne m'en souviens plus. Bah, t'es surtout une balance hein, dans ce monde-là, Donald. T'es surtout une balance. Et mais. C'est pas ça la vraie vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais. Surtout que lui, dans le monde réel, il est en fauteuil, hein, donc bon, ça peut se comprendre. Hein. Alors, Mood, j'en parle même pas, lui, c'est carrément une victime. Hein, Bah, quelque chose d'important, oui, c'est la vie qui t'attend de l'autre côté. Mais. Ça coupe. Bah, c'est le prince, hein, il fait ce qu'il veut. Hein, Je crois que ton père viendra. Ah et putain, c'est vrai que Clément, enfin, Marsh, il a perdu son père. Ça c'est bien. Enfin, il a perdu son père. Ils se sont séparés, quoi. C'est la divinité qui essaie de se défendre, elle essaye de nous retourner le cerveau là. Et Marsh, il est beaucoup plus déterminé que ça, c'est pour ça qu'il est il a ce rôle là dans. Enfin on pourrait l'interpréter comme ça, hein, mais. C'est pour ça qu'il a ce rôle là dans. Dans ce monde là, parce qu'il est très. Il est très déterminé, il est très. Ce n'est pas bien de fuir la réalité. Il est en train de nous mindfuck là. Mais si, mec, t'es fort et courageux. Mais tu le sais pas encore.
Ouais. Excellent. Je veux faire revenir le monde réel. Excellent. Vraiment, là, c'est OK. Avec la musique qui va bien, quoi. Alors, est-ce que c'est considéré comme des morts-vivants, ça? Par exemple, est-ce que si je leur fais soin, est-ce que ça les défonce? En principe, oui, parce que chez moi, enfin chez moi, dans ma conception des choses, en principe, c'est pas censé aimer tout ce qui est soin, lumière et tout. Voilà, t'es d'accord avec moi, Ghetto, hein? En principe, bah après ils sont assez équilibrés, ils sont rapides aussi, hein, ça c'est chaud ça. D'accord. Bah du coup, hop. La loi c'est toujours pareil, hein, la booster. Cliff, on en a pas besoin, il n'y a rien à voler. Sautel, il va venir avec nous. Hardy aussi, tu viens avec nous. Trop essentiel, hein. Ouais, c'est ce que je compte faire avec avec Rosetta, que je vais mettre devant d'ailleurs. Elle est où? Elle est où? On va la mettre devant. Ah, je peux pas échanger, oh, putain, c'est bidon ça. Je sais que j'y vais sans sauvegarde. J'y vais comme ça, quoi. Franchement. Et sans coupure, hein. C'est-à-dire que si ça se passe mal, vous l'aurez aussi, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Un mec qui marque un but contre son camp. Hein, en championnat du monde, tout le monde le voit aussi. Hein, on peut pas revenir en arrière. Hein, donc les jeux, c'est pareil. Hein. Bon. Essayons. De toute façon, je suis pas arrivé jusque-là pour. Hein. Même si je pense que philosophiquement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les idées. De Clément, enfin de Marche. Ouais, ça leur fait mal, t'avais raison. Ça leur fait vraiment mal. Ils aiment pas ça du tout. Est-ce que vie, ça les défonce? Ouais, ça les défonce. Ça leur fait vraiment mal. Après, j'ai envie de les taper en AOE quand même, hein, parce que c'est rigolo. Est-ce que si je fais ça par exemple? Non, ça sert à rien, d'accord. Est-ce que si je fais ça? Ouais, c'est comme si je faisais soin, sauf que ça. Sauf que ça coûte aussi cher, hein, donc on va faire soin plutôt. Allez. Raté. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné, hein, que je rate mon skill. Il fallait bien que ça arrive. Allez, ramenez-vous, ça sera plus facile de vous défoncer. Ramène-toi. Allez. Cheater ça. Mais c'est vrai, j'ai même pas pensé. Starcross, ça fait mal ça. Aïe. Aïe. Quoi? Alors, en avant-première, une divinité, donc un dieu, hein, c'est-à-dire un être qui est censé avoir construit un monde, se fait prendre un carton jaune, quoi. Alors, le dieu, c'est la dernière fois que tu fais ça, hein. La prochaine fois, c'est dehors. Hein.
Ouais, exactement, les mecs à Spawn, là, les gardes, là, on imagine les gardes devant le truc, ils vont voir un dieu, quoi. Non, mais. Enfin, c'est. Bref. Heureusement, pour nous, l'attaque n'a pas fait mal, hein. Alors, Clément, on peut l'envoyer dans le tas sans aucun problème, hein, parce que de toute façon, on va taper au heal, hein. Voilà, là, les droites qu'il envoie, lui. Raté. Touché, allez. Par contre, il faudrait pas qu'il nous. J'ai fait le cake. Il va me transformer en zombie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Dégage, toi. Dégage. Va-t'en. Va-t'en. Dégâts et poison. C'est quoi? C'est miasme, ça. Voilà, miasme. Si tu veux. J'ai fait une énorme connerie. J'ai fait une énorme connerie. Ouais, je l'ai, Resurrex. Je l'ai. C'est pas très grave au final, mais. On aurait pu s'en passer quoi. Ah mais c'est pour ça qu'elle a mangé son, il a mangé son carton. C'est parce qu'elle a fait Starcross et comme vu que ça tape tout le monde. Non, Sionio, voilà. Resurrex, voilà. C'est beaucoup mieux. Ça le défonce lui, hein. Il aime pas ça du tout, hein. Allez, un petit glacier, il a pas volé celui-là. Sur le cal, hein, parce que. Ah, allez, je l'ai. Petit cercueil. J'avais oublié ça. Bah, du coup, est-ce que c'est comme les morts-vivants? Ouais, voilà, au bout de 3 tours, il va revenir nous casser les couilles, quoi. Cette chance insolente, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, 45%. Mais t'es sûr que c'est pas les pourcentages de résistance? Ah, j'ai du bol. Mais hein, si tu regardes mes let's play, il y a des fois j'ai pas de bol aussi. Hein, donc faut pas l'oublier ça. Hein. Allez, on va faire une petite licorne. Est-ce que si je fais ça, qu'est-ce qui serait le plus worse en fait? Ouais, ça revient au même en fait. Ok. Voilà. Très bien. Très bien ça. T'as la pauvre pauvre Rosetta quoi, elle se fait Alors attention hein, parce que toi si tu refais Starcross c'est carton rouge hein. Hello, hello. Putain, d'accord. Non le boss il a pas d'équipement. Les divinités n'ont pas d'équipement. Mais il va prendre un carton rouge, hein? D'accord. Je comprends pas, hein. Allez, on commence.
1 et 2. Le bon crit. Je savais pas que les ennemis étaient unis au carton rouge. Pourtant, bon, ok. Allez. Favoritisme, ouais. Pourtant, dans la scène d'intro, il me semble que le y a un moine blanc qui se prend un carton rouge direct en tôle, hein, donc. Vraiment, Rosetta, elle se sacrifie pour le pour l'équipe. Hein. Elle se sacrifie pour l'équipe. Hein. Ouais, c'est la seule fois, c'est scripté. C'est scripté, oui, ça. Je me doute. Allez, regroupez-vous, c'est ça. Va voir tes collègues. Oui, le bourré Zurex, ça, je te le fais pas dire. Hein. J'ai mieux même. J'ai mieux, tu vas voir ça. Après c'est pas très grave, hein, si elle reste au sol. Ouais, ça va les tuer. Hein. De toute façon, bah, ça sert à rien que je fasse. Enfin, si je peux pas économiser un peu de PM quand même. Ouais, ça fait encore plus mal quoi. Pff, allez, vendu. Comme ça je tape les 3 et il n'y a plus de vampires. Terminé. Voilà. Voilà. Terminé. Comme ça, on va pouvoir la soigner sereinement. Et en plus, on économise des MP pour pouvoir lui. Parce que 122, ça commence à chiffrer. Allez. Nice. C'est un peu cheaté quand même, hein. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi là. Voilà, ça va prendre du pex. Le bon pex. Ok. Il aura pas la portée hein, pour faire. On va lui faire prendre son level quand même, mais il a pas la portée pour faire sauter. Ça, je sais même pas la peine d'essayer. Ok. Nice. D'accord. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Bon, on va lui faire un petit combo parce que de face comme ça, je suis pas sûr que. Allez, à genoux. Bah, si t'es. C'est gentil, hein, mais le problème c'est que si tu restes là, ça marche pas du tout en fait. Faut que tu t'en ailles. Il reste là, putain. Quel cake. Gros cake, va. Ouais, c'est toujours ça de prix. Hop.
Ouais, tu nous fais un joli sourire. Voilà. Tout JP pour un mec, il dira destruction multi-cible. C'est vite dit, hein, parce que. C'est pas vraiment le souvenir que j'en ai, hein, mais c'est pas grave. Allez. Et Et voilà. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça m'étonnerait que ça s'arrête là, hein. Sans transpirer. Et sans sauvegarder aussi, hein. C'est vraiment au culot, quoi. Comme ça, quoi. Et ouais, pourtant, il n'y a plus rien. Ce monde est désiré. Ouais, c'est sa mère. Bah oui, voilà. Il n'y a pas 36 000 choses à faire là. Bah merci beaucoup, Sidin. Allez, hein, bonne continuation, hein. Alors, donc au final, les cristaux ne sont pas très utiles. Alors, Getty Aga, ouais, ça donne. Je crois que c'est échec et mat, hein, ça fait la compétence. Pas très utile. Ben. Longue barrel. Je sais plus ce que ça fait, ça. Ça, je le prends. Pas très utile. Non. Même pas en rêve. Si, enfin, disons que si on avait réussi à convaincre. Non, c'est pas le missile. Le missile, c'est le Joyu. Ah, je te montre. Disons que si on avait parlé à Mune avant, si on avait réussi à le convaincre avant et qu'on n'avait pas fumé les divinités. Fossoyeur, là. Fossoyeur, c'est en gros. C'est une compétence. Vous le faites sur un ennemi et ça lui inflige châtiment. Donc c'est puissant, hein. C'est très puissant. Et missile, c'est celle-ci là. Voilà, missile. C'est très puissant. C'est une arme correcte en plus, hein. Voilà. 38, bon pour une rapière, bon c'est pas voilà, c'est pas autant que celle-ci, mais voilà. Elles ont la même couleur, c'est vrai. Alors, bon séquence un peu. Voilà, séquence un peu pas révélation, mais on sent que on s'approche du but là. Hein. On est vraiment pas très loin de la fin. Ce qui est étrange aussi, c'est qu'on n'a pas eu de. On n'a pas eu de cartes à placer. Hein. Il nous reste quoi là? Une, deux, trois emplacements, quatre, cinq. Et normalement, il y en a une dernière ici. Hein. Dans mon souvenir, il y a quelque chose ici. Hein. Il doit y avoir le palais ou un truc comme ça. Voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, on.
On se rapproche de la fin là. Là, on est vraiment pas loin. Hein. Donc je vais aller en ville, le classique. Hein. Ouais, voilà, tu confirmes, un ghetto. Voilà, le palais et Amberval sont cachés. Ah, c'est vrai, putain, il y a ça aussi. Alors, lance, fossile, esprit magique. Allez, en chemin, on fera cette quête-là. Au let's play suivant. Est-ce que je refais un live un peu vers 4h30 là, à peu près. Je pense que oui. Je pense que j'aurai le temps. Je pense que j'aurai le temps. J'en tournerai un petit, ouais. Je vais faire ça. Ok. Donc, allez, comme d'habitude. J'espère que ce let's play vous a plu. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder ça. Alors moi, je me fais toujours autant de plaisir. D'autant que là, on commence à se rapprocher de la fin. Donc on commence à au revoir YouTube. Ghetto, ouais. YouTube, ouais. On commence à se rapprocher de la fin, donc on commence à récolter les fruits de notre travail acharné. On n'est pas très loin, là il doit nous manquer, je sais plus, je regarderai, mais il doit nous manquer peut-être 4-5 missions encore. Principal, voilà, peut-être, je sais pas, je regarderai. En tout cas, merci à Ghetto Superclass d'avoir suivi... ce live pendant pratiquement 2 heures, hein. Il faut tenir, hein, 2 heures. Via Fantasy, je remercie aussi, bah, avec plaisir là, mais ouais, c'est à moi que ça fait plaisir. Enfin, tu imagines même pas à quel point, quoi. Merci à Shirad aussi qui est passé nous faire un petit coucou. Ouais, j'espère que ça va lui plaire. J'espère qu'il va nous rejoindre aussi. Voilà, en tout cas. On se rapproche de la fin. Je sens que ça monte là. Ça monte. Ok. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt.